des petits inconvénients, mais on s'en passe. Amen. Alléluia. On bénit Dieu pour les inconvénients. Alors ce matin, on est sur le web, donc on salue chacun de ceux qui sont là ce matin, qui nous écoutent, qui écoutent le message de la parole de Dieu. Et ce matin, le titre du message ce matin, ça va être « Les sentiers ». Alors, c'est un message qui nous retourne à l'origine, qui nous retourne à la base et qui nous donne de comprendre certaines choses qu'autrement on ne pourrait pas comprendre. Ou du moins, on peut être très mêlé parce que le monde est de plus en plus mêlant. Alors, soyez bénis ce matin et priez pour le message. Priez que la joie du Seigneur soit dans nos cœurs et qu'on puisse accepter ce que Dieu dit dans sa parole avec amour, avec délicatesse et avec joie. Amen? Amen. Alors, ce matin, on va lire la parole de Dieu et vous demanderai de vous lever pour la lecture de la parole dans Jérémie 6, les versets 16 à 21. Les anciens sentiers. Et qui sont ces anciens sentiers dont nous parle Jérémie? Regardons quelques instants le passage de l'Écriture. Ainsi parle l'Éternel. Ça, c'est précieux, ça. Quand nous lisons dans la parole, ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins. Regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marchons pas. J'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils répondent, nous n'y serons pas attentifs. C'est pourquoi, écoutez, nations, sachez ce qui leur arrivera, assemblée des peuples. Écoute, terre, voici, je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées, car ils n'ont point été attentifs à mes paroles, ils ont méprisé ma loi. Qu'ai-je besoin de l'encens qui vient de Séba, du roseau aromatique d'un pays lointain? Vos holocaustes ne me plaisent point et vos sacrifices ne me sont point agréables. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, voici je mettrai devant ce peuple des pierres d'achoppement contre lesquelles se heurteront ensemble père et fils, voisins et qui sont des anciens sentiers dont nous parle Jérémie. Qui sont ces anciens sentiers? Assoyons-nous sur là. Il nous faut débuter par connaître ce que veut dire la parole par un ancien sentier. Un ancien sentier est quelque chose avec une origine éloignée. Il n'est pas, premièrement, important de connaître les poteaux indicatifs d'aujourd'hui qui peuvent avoir été déplacés. Amen. Ah. Seigneur, quand on regarde ta parole, il y a quelques mois, j'étais estomaqué de voir certains changements dans les nouvelles traductions bibliques. J'étais complètement déboussolé de voir le manque de contrôle. Alléluia. On dit n'importe quoi aujourd'hui. Amen pour les anciens sentiers. Quand je travaillais avec les ingénieurs forestiers, un peu partout, pour déterminer les tracés d'un lot, des lots à bois, ou peu importe le terrain qu'on avait délimité, on ne travaillait pas sur des nouvelles traces, mais sur ce que le plan de cadastre nous mentionnait. Le tracé était trouvable
par les vieux plaquages, des coups de hache pour blanchir un arbre, pour viser un autre arbre plus loin dans la même direction. Il nous fallait commencer par regarder par terre, trouver les arbres morts. Et à partir de la souche, mesurer environ 4 pieds. Et là, dans un secteur plus ou moins long de ce 4 pieds, on cherchait avec nos mains dans la pourriture de ces arbres et on trouvait, parce qu'une plaque de bois, quand vous faites une natche après un arbre, vous faites partir des écorces, l'arbre continue à grossir autour puis il se forme un cordon. Et ça dure des centaines d'années avant de périr complètement, de se détériorer comme la balance de l'arbre. Et quand on trouvait, on savait qu'on était, approximativement près de l'endroit. Et on commençait à regarder autour. Des renflements de bois difficiles à trouver. On allait dans la pourriture de l'arbre. C'était pas facile. Il fallait que les ingénieurs nous apprennent à chercher, puis comment reconnaître que c'était vraiment une plaque. Alléluia. Mais ça ne suffisait pas. Pour trouver l'endroit exact où l'endroit, le poteau avait été placé, il y avait un renseignement sur le cadastre. Ça nous disait « Vieille cafetière fleurie, rose, enterrée au poteau ». On prenait de la vieille vaisselle cassée et on indiquait quelle sorte de vaisselle et on le plaçait dans le trou où le poteau de la borne était placé. Alors, quand on avait trouvé les plaques, qu'on avait trouvé la série d'arbres qui nous conduisait jusqu'à cet endroit, il fallait trouver exactement là ce que le plan de cadastre nous avait proclamé étant la vérité du point d'action. Aujourd'hui, les méthodes ont changé pour trouver, mais les résultats doivent être les mêmes, ils doivent être exacts. Alors, les hommes, si les hommes, dans leur travail, mettent autant d'études à trouver des moyens de retracer les origines des choses, nous devons, je crois, nous aussi, frères et sœurs, faire le même travail de recherche. Peu importe ce que nous cherchons dans la parole de Dieu, car nous connaissons le travail de l'ennemi, Satan, et les générations qui ont cherché à la faire disparaître. Satan, avec les hommes pervers qui ont cherché à faire disparaître la parole de Dieu, ont mélangé la route. Ils ont effacé les bornes. Ils ont tenté d'effacer. Mais gloire à Dieu, Dieu n'a pas permis que les hommes fassent disparaître la vérité. La vérité existe toujours. Amen. Alléluia. Prenons pour nous aider, frères et sœurs, le principe. Le principe doit avoir une origine de base. Le principe, c'est quelque chose qui a une loi générale vérifiée par l'expérience. Un fondement théorique quant au fonctionnement d'une chose, une règle de conduite. Alors, quand on veut nommer quelque chose, un principe dans la parole, toutes ces choses-là sont alignées sur la base qu'on va retrouver à l'autre bout. Et quel est notre sentier? Et nous, quel sentier aujourd'hui devons-nous retrouver? Ces hommes, nous voyons, nous venons de lire un texte qui nous inspire à rechercher la vérité. Mais non seulement à rechercher la vérité comme l'ont fait ces hommes, mais à écouter la vérité.
Il ne faut pas seulement que Dieu place le long de la route des hommes et des femmes pour proclamer la vérité avec des flûtes, avec des carillons, avec la parole, avec cris, avec force. Il faut que le peuple écoute ce que la parole de Dieu dit, obéisse et change son orientation si son orientation est mauvaise et en vienne à suivre les anciens sentiers que la parole de Dieu a placés depuis son origine. Amen. Dans les années 90, le Québec a entrepris un chantier onéreux et difficile à réaliser. La refonte du cadastre officiel, corriger les erreurs, resituer les choses dans un contexte plus conforme et plus facile à déterminer. Il ne faut pas seulement trouver les bornes, frères et sœurs. Il ne faut pas seulement trouver les plaques. Il faut prendre le moyen de refondre les choses sur le chemin de la vérité, frères et sœurs, et s'y attacher. Peut-être pourront-ils donner une clarification sur les actions passées dans ce domaine, mais ne changeront jamais les dimensions du territoire, à moins que l'auteur de la création ne permette un changement de celui-ci par érosion ou autre action de la nature que lui dirige. Alors, la parole de Dieu ne peut être changée ou redressée ainsi. Elle est de ce qu'il y a de plus clair et sans détour, lorsqu'on la regarde dans son exactitude. On va prendre un point très important pour chacun de nous ce matin. L'homme naît, non pour la chute, mais avec un dessein merveilleux et éternel. Alléluia! Ce qui était voué, donné à l'homme pour être une grande bénédiction, le libre arbitre, le pouvoir de décider, fut utilisé par celui qui devait être gardé hors du chemin où il vivait, en harmonie avec sa femme dans le plus merveilleux des jardins. Satan, qui vivait hors du jardin, et jardin qui devait être cultivé et gardé par Adam et Ève, devait empêcher ce petit mongol à batterie de pénétrer à l'intérieur. Satan est entré à l'intérieur. Il a pris la bénédiction de l'homme, son libre arbitre, pour le mater, pour l'écraser. Il l'a amené à prendre les mensonges qui lui étaient donnés au lieu de se fier à la parole bénie qui lui était apportée. Et ça ressemble beaucoup à l'Église, ça ressemble beaucoup au monde dans lequel nous vivons. Alors, son premier mauvais choix entraîna le chemin de la décadence. Pour lui et sa descendance, placé dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder, Genèse 2,15, il laissa Satan y entrer. Est-ce que Dieu allait réagir? En Genèse 3,15. Dieu fera l'annonce de celui qui rachètera ceux qui marcheront par la foi. Et ce matin, la petite partie qui vient, il y avait quelqu'un d'une religion autre qui était ici ce matin. Je crois qu'il est parti durant la louange. S'il avait entendu ce que je vais dire et qu'il avait analysé complètement à l'intérieur de sa propre religion,
il aurait découvert que le passage de la parole de Dieu que je vais mentionner est le passage clé pour eux de comprendre la vérité de la parole de Dieu. En Genèse 3,15, Dieu fera l'annonce de celui qui rachètera ceux qui marcheront par la foi. Amen. Et voici ce que Dieu a dit. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celui-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon, blessera le talon. » Écoutez bien. Jésus est le seul homme qui a marché sur la terre de la postérité de la femme sans le concours de l'homme. C'est le seul homme qui a marché sur la terre sans le concours de l'homme. Alors, c'est par lui que s'accomplira ce décret au mont du Calvaire, appelé Mont Golgotha, et ce qui signifie « lieu du crâne ». Ce n'est pas par un pur hasard que les hommes ont choisi cette montagne, c'est dicté par Dieu pour que ce soit écrit en toutes lettres dans la parole du Seigneur. Amen. Et que ça nous serve de borne sur le sentier du salut. Amen. Dieu n'a pas, s'est pas levé un bon matin dans son ciel en disant, bon, les petits gars, ils ont manqué le coup. Je n'ai pas d'autre chose à faire que de sacrifier mon fils pour leur salut. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Dès le début de l'humanité, après la chute de l'homme, Dieu a pourvu que Jésus-Christ, le vivant, qui est toujours vivant, qui circule toujours, qui guérit toujours les malades, qui relève toujours ceux qui ont le cœur brisé, qui sont dans la détresse, le même Jésus de Nazareth était proclamé, là, en Genèse 3,15, comme étant celui qui serait issu de la femme et qui amènerait la bénédiction à l'humanité tout entière en posant son pied sur le mont du crâne, le mont du calvaire, écrasant la tête de Satan et recevant la blessure de son corps. Il racheta ceux qui, depuis Adam, avaient par la foi en lui prouvé par leur obéissance à offrir au temps de sa patience le sang qui les rendait propices au salut de Dieu. C'est un enchaînement de bénédictions, de vérités qui sont alignées, tel un chemin parfait qui nous conduit au salut. Les hommes passent leur temps à chercher à atténuer, à changer, à diminuer la portée. Alléluia. Il les rendait propices au salut de Dieu lorsque Jésus répandrait son sang pour eux et tous ceux qui croiraient en lui par la suite et en lui seul. Amen. Actes 4, 11 et 12. Que nous ne mettrons jamais assez dans nos messages. Et moi, je veux m'engager à le mettre aussi souvent que possible. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Frères et sœurs, si l'humanité retourner à ses paramètres de base. Tout le christianisme, tout cet ensemble de dénominations, de religions, de regroupements, appelez-les comme vous voudrez, incluant les nôtres, ont une origine, une origine. La parole de Dieu. Tout ce qui se dit qui est contraire à la parole de Dieu, tout ce qui n'est pas enseigné, caché,
volontairement ou non, est indigne de la parole de Dieu. Alléluia. N'essayez pas de trouver ou de proclamer un autre salut, il n'y en a pas d'autre. Aujourd'hui, on cherche à atténuer. Oui, l'amour. Oui, l'amour. Mais soyons reconnaissants tout d'abord à l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui a posé, qui lui a donné de poser le geste le plus violent, le plus terrible que l'humanité a jamais connu. Donner son propre fils pour le salut de chacun d'entre nous. L'amour, c'est ça, frères et sœurs. L'amour, c'est pas de flatter. L'amour, c'est pas de caresser. L'amour, c'est d'être prêt à mourir pour son frère, d'être prêt à mourir pour le salut des âmes qui nous entourent. C'est de cet amour que la parole de Dieu nous parle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son propre fils. Mais dans 1 Jean 3,16, ça nous dit qu'il n'y a pas de plus belle preuve d'amour que de donner sa vie pour ses frères. Ça, c'est pour nous. Le monde va revenir à Christ. Le monde va se resoumettre à Dieu quand le peuple de Dieu aura trouvé ses paramètres, ses sentiers qui vont le conduire à être une bénédiction pour l'humanité. Digne de la pierre détachée sans le secours d'aucune main, qui a bouleversé, qui a détruit tous les empires universels, l'Église, digne de cette pierre rejetée, va reconquérir à nouveau et redémolir ce qui reste des empires qui furent créés à l'époque. Abel y crut et le proclama par son offrande seul. L'homme religieux, Caïn, blessé dans son orgueil, l'a tué. Et c'est la différence entre l'homme de foi que nous prêchons, d'être des hommes et des femmes de foi, c'est la différence qu'il y a entre être des hommes de foi et être des hommes religieux qui suivons les données d'une religion quelconque. Le salut en Jésus est tellement un cadeau que ceux qui ne le reçoivent pas, de jalousie, sont prêts à tuer celui qui l'a reçu. Et ça, c'est depuis Caïn. Ça n'a pas changé. Ça n'a jamais changé. Caïn fut le premier homme religieux bafoué dans son orgueil de ne pas avoir été agréé par Dieu avec ses fruits et ses légumes qu'il avait préparés de ses mains pour offrir à Dieu. Voyant son frère Abel qui offrait un petit agneau qui lui a rien coûté, mais qui était selon la volonté de Dieu, il a tué son frère Abel. Malgré l'avertissement de Dieu qui lui a dit, « Caïn, Caïn, le péché se couche à ta porte. Toi, domine sur lui. » Et ceux qui l'ont reçu et qui de plus vivent pieusement en Jésus-Christ, en son auteur, seront persécutés, la parole de Dieu nous dit. Et cette persécution, c'est la clé, frères et sœurs. C'est la clé de l'évangélisation. C'est la clé. C'est sur le sang, le terroir des martyrs, le sang des martyrs que s'est bâti l'Église. Ils avaient un témoignage puissant. Ils étaient des martyrs, comme dit Acte 1-8, rempli du Saint-Esprit, qui allait jusqu'au bout, servait de torche enflammée pour éclairer les jeux de Rome.
étaient jetés dans des fosses aux lions. Mais dans les estrades, les hommes et les femmes se convertissaient parce qu'ils voulaient avoir la foi de ces hommes et de ces femmes qui proclamaient Dieu jusque dans leur propre mort. Quand le monde chrétien, uni d'un cœur et d'une même pensée, sur la parole, sur les paramètres de la parole de Dieu, c'est ces ajustements que Dieu a mis tout au long de la route par laquelle il nous guide jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a rien de changé, frères et sœurs. Il n'y a rien de changé. Le Seigneur n'a rien changé. Ce qui existait au départ, quand Dieu a dit que le Fils de l'homme, le Fils de la femme, c'est-à-dire, écraserait la tête du serpent et délivrerait l'humanité qui voudrait croire en lui. Cette pensée, ce décret existe toujours et c'est par rapport à ce décret que le salut en Jésus-Christ est venu et c'est par le décret que nous croyons, que nous vivons et que nous pourrons conduire le monde vers la liberté et vers la foi. Alléluia. Et il y a beaucoup de questions qui se posent. Est-il possible de toucher le cœur de Dieu avant de le connaître et être sauvé? Vous savez, Dieu, il a tout fait. Il a tout préparé. Dans Romains 1, ça nous dit que, juste à regarder la nature, on voit les merveilles de Dieu. À travers ces merveilles, nous voyons sa divinité. Nous le voyons, nous voyons sa grandeur. C'est cette grandeur-là qui, à l'heure de 15 ans, m'a poussé hors de la religion. Parce que mes montagnes, à moi, étaient faites de fleurs. Mes montagnes, à moi, dans l'île de Sébec, dans ce temps-là, c'était à pousser en bois aujourd'hui. Mais dans ce temps-là, il était fait de champs, il était fait de fleurs, il était fait de beauté. Je voyais le beau lac Matapédia, les belles montagnes, les bons Notre-Dame en avant. Et pour moi, tout cela, l'image de tout cela me représentait un Dieu libre, un Dieu vivant qui a créé une création libre et vivante. Et je voulais avoir. Ça m'a pris plusieurs années de découvrir. J'ai découvert à 37 ans. Alléluia. Et il m'a posé, souvent je me suis posé la question, comment être sûr? Comment être sûr? Et Dieu était là. Dans les psaumes 14 et 53, ça aussi, je parle souvent de ça, Dieu nous le certifie. L'Éternel, Dieu des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Alléluia. Ce matin, tous ceux qui sont ici ce matin sont ici par un appel de Dieu est ici. Même cet homme qui n'est pas demeuré. C'est son choix, nous le respectons. Alléluia. L'Éternel, Dieu des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Et Acte 10 nous en donne un compte rendu à travers un homme. Et le passage des Écritures est écrit comme ceci. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cour des Italiens. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Il ne connaissait pas, frères et sœurs. Il ne connaissait pas Dieu. Il avait entendu parler de Dieu. Il avait quelques notions de Dieu. Puis pour lui, ça, c'était suffisant pour savoir qu'il y avait quelque chose qu'il devait rechercher. Alors, il a commencé à faire ce qu'un homme devrait faire. Cet homme était pieux. Parce qu'il y a des hommes qui ne sont pas sauvés, qui sont très pieux et qui craignent Dieu. Sans le connaître.
avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement, sans le connaître. La preuve qu'il ne connaissait pas, on va l'avoir un petit peu plus tard dans ses paroles à lui. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Les regards fixés sur lui et saisis d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Dieu t'a vu, intelligent, cherchant Dieu. Dieu t'a vu. » Et le Seigneur s'adresse à chacun de nous ce matin-ci. Dieu nous a vus. Il nous a vus cherchant Dieu. Il est venu à notre secours. Envoie maintenant des hommes à Joppé. Fais venir Simon, surnommé Pierre. Et dans le chapitre suivant des Actes des Apôtres, les versets 13 et 14, voici ce que cet homme a dit. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans la maison l'ange se présentant à lui et disant « Envoie à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison? » Alléluia! Nous sommes tous parvenus à la connaissance du véritable Dieu et de sa bénédiction par une autre personne. Car le salut, c'est l'Église qui doit le propager. Amen. Alléluia. Alléluia. Le cœur de Dieu révélé dans Ézéchiel 18, 32 nous dit ceci. « Je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. » Convertissez-vous donc et vivez. Ici, il parle de la vie spirituelle, de la mort spirituelle. Oui, le cœur de Dieu est qu'aucun d'eux ne périsse, frères et sœurs. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Amen. Vous voyez que le sentier n'est pas difficile? Les regards fixés sur lui... Saisi d'effroi, il répondit, « Qu'est-ce, Seigneur? » Il ne connaissait pas le Seigneur. Et il était surpris qu'on vienne à lui de cette façon. Mais c'était Dieu qui lui envoyait un messager pour lui dire, et la parole de Dieu nous dit, frères et sœurs, de respecter ceux qui nous visitent, de respecter, car... En les recevant, nous recevons quelquefois des anges sans le savoir. Amen. Alléluia. Plus facile que ça, c'est impossible. Le chemin est tout tracé. Tu retournes à Genèse 3,15. Dieu mentionne qu'un homme... descendant de la femme, il ne parle pas de l'homme du tout, il ne parle pas de la femme et de l'homme, mais descendant de la femme, viendrait un jour, écraserait la tête du serpent et ainsi accomplirait ce que Dieu avait proclamé, la liberté de l'homme. Amen. Alléluia. Plus facile que ça, c'est pas possible. Le chemin est tout tracé dans la parole, frères et sœurs. Simplement, il faut que l'homme ait l'enseignement ou trouver par lui-même de lire la parole de Dieu avec sérieux, de prier Dieu pour que Dieu lui montre que ce que je dis ce matin est la vérité, frères et sœurs. Tu trouves le chemin étroit? Tu suis jusqu'à la porte étroite et tu entres. Pas plus compliqué que ça, frères et sœurs. Tu trouves le chemin étroit, tu suis jusqu'à la porte étroite et tu entres. Et voici ce que Jésus dit dans Jean 10, verset 7. Jésus leur dit encore, « En vérité, je vous le dis, je suis
la porte des brebis. Alléluia. Pourquoi se compliquer la vie ce matin? Pourquoi se compliquer la vie? Jésus est là et il désire que tu viennes à lui. Tu as des problèmes, tu as des difficultés, tu as les difficultés de croire. Dieu veut balayer tes doutes par une action puissante dans ta vie. Car quiconque accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur retrouve en Dieu un libérateur. Alléluia. Alléluia. Je reprends ce petit bout de chemin qu'on vient de parcourir. Alléluia. Oui, le cœur de Dieu est qu'aucun d'eux ne périsse. Et il a dit ceci, « Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Ayez une vie libre. » Vivre, c'est de vivre en étant assuré, en assurant la joie du croyant. Notre joie comme croyant ne doit pas être parce que le pasteur est beau, parce que le pasteur est bon, parce que le pasteur prêche bien, parce que le pasteur est ci, parce que le pasteur prie bien, parce que le pasteur est comme ça, ou tout autre geste de cette nature. Alléluia. Notre joie, c'est qu'on a accepté Jésus comme sauveur et on a ressenti son salut merveilleux. Faire une œuvre de changement en nous et nous a procuré cette joie éternelle, celle que nous sommes sauvés. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce matin, c'est avec joie. C'est toujours de la joie de proclamer le sentier qu'on doit suivre. Est-ce que l'homme est capable de suivre les anciens sentiers et obéir? Je vais te donner une série à partir d'aujourd'hui sur les sentiers que nous devrions retrouver. Parce que l'Église, celui-là, ce matin, il est facile pour l'Église. Mais il y a des sentiers qui sont perdus qu'il nous faut retrouver. Cette semaine, j'ai pris environ 15 traductions bibliques. Et 13 traductions qui ont entre 100 ans à 250 ans, environ 300 ans, disent toutes la même chose sur un certain verset de la parole. Et quand j'arrive à une Bible contemporaine, la Bible du Sommeur, et ensuite, second 21, le verset est totalement changé. Totalement changé. Seigneur, c'est le temps qu'on se lève debout puis qu'on oblige l'Église à prêcher les anciens sentiers, Seigneur. Amen. À vivre sur les anciens sentiers. Ceux que la parole de Dieu écrit en lettres de feu depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse et que nous devons suivre avec dextérité, s'unissant ensemble pour obliger l'Église à respecter la parole de Dieu et à donner les véritables paramètres qui vont guider l'homme jusqu'à Dieu. Et si nous réussissons, nous aurons aimé. Si nous réussissons, nous aurons aimé. La seule façon d'aimer, selon la parole, c'est de vivre pour le salut des autres, de mourir s'il le faut pour le salut des autres, et d'honorer Dieu par tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. »
Et ici, le mot sauvé, le mot baptisé, c'est immersion. Hein? On connaît. Le mot baptême dans la Bible, c'est un mot emprunté au grec, hein, qui est baptisma. Et on l'a traduit par baptisé, mais le mot baptisma se traduit par immersion ou submersion. Alors, celui qui sera immergé et qui croira et qui sera immergé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Prions, frères et sœurs. Seigneur notre Dieu, ce matin, nous sommes là avec un cœur repentant d'avoir laissé les hommes nous induire en erreur sur les anciens sentiers. Nos anciens sentiers, Seigneur. Quels sont nos anciens sentiers qu'on doit retrouver? Montre-nous-le, Seigneur, que nous prêchions, que nous enseignions sur ces anciens sentiers, que nous les faisions ressortir à travers la parole de Dieu et qu'on les amène toutes frais, toutes beaux, ces sentiers, à l'homme pour qu'il les suive avec facilité, étant assuré que son Dieu l'aime, que son Dieu le soutient, que son Dieu a vécu pour lui et qu'aujourd'hui encore, son Dieu règne sur lui. Alléluia. Bénis-nous ce matin, Seigneur. Bénis-nous en ta présence, fortifie-nous et que ta paix réside en nous, Seigneur, ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen.